Alors, je vous présente une des nouveautés de la marque Pabobo, qui est une habituée, hein, donc des veilleuses, des grandes classiques avec les barbes à papa et les petits animaux qui sont très sympas, les savanous notamment. Là, ils lancent une nouvelle veilleuse qui est une veilleuse musicale qui, en plus, projette des étoiles. Donc, elle fait de la musique, il y a bien évidemment un retardataire, en tout cas une minuterie. Vous avez également la possibilité de la recharger, d'ailleurs, uniquement par une prise USB, donc c'est assez économique, c'est pas mal. Voilà, et ça projette des étoiles, c'est toujours une gamme qui est très appréciée par les enfants, c'est très ludique, c'est très, très sympa et coloré. Ce que je vous propose, hop, c'est d'aller dans la chambre de ma fille. Voilà, où j'ai installé ce projecteur d'étoiles. On va éteindre la lumière, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, c'est très simple, hein. Vous avez uniquement un bouton au-dessus. Voilà, et vous imaginez, alors, c'est vrai que si on les voit quand même, voilà, voici les étoiles. Alors, vous avez des variantes de couleurs. Si vous ne touchez pas au bouton, ça change de couleur. Vous avez tout un rythme avec du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Et puis, vous avez la fonction ici, hop, musicale. Voilà. Donc, j'ai mis à ma fille, bon, elle apprécie, hein, vraiment, c'est toujours chouette d'avoir ce petit décor pour s'endormir. Surtout que la nôtre a un peu de mal à s'endormir, donc ça nous aide particulièrement. Voilà. Donc, c'est assez sympa. C'est pas Bobo qui fait ça. Ça s'appelle. Donc le projecteur musical d'étoiles, et je vous conseille de le découvrir. Vous pouvez stopper sur une couleur si vous restez hop, appuyé une fois. Voilà, ça restera maintenant sur vert, ou rappuyer pour alterner les couleurs. Et vous avez la possibilité, bien évidemment, d'éteindre la musique et d'avoir uniquement la fonction étoile. Voilà, à bientôt.